T'en veux du câble, je vais t'en donner. Alors, il me reste 71. 71 fois 20, ça fait combien ça? J'en sais rien. Parce que je veux pas en mettre de trop, sinon après c'est la galère pour les enlever. Call of Duty, c'est bien, on s'en fout. Alors. 20 fois 71. 71 fois 20, c'est pareil. 1420. Donc déjà, il en faut plus de 1000. Plus de mêle, plein de mêle. 2, 4, 6, 8, 10. Donc déjà j'ai 1000. Ensuite 400. 2, 4. Et ensuite 20. Bah voilà. Normalement là on sera bon. Si ma calculette dit pas de la merde. Je viens de voir un truc là, je suis en train de regarder mes mails parce que ils m'embêtent depuis tout à l'heure. Je suis en train de penser à un truc, je préfère vous avertir que il y a beaucoup d'arnaques sur internet qui se font passer soit pour Amazon, pour Chronopost ou autre. Et ils vous demandent des renseignements en gros. Parce que. Ils disent que votre colis il est en attente ou je ne sais quoi. Et en fait c'est faux. Donc voilà. Vous avez intérêt à faire gaffe à l'adresse mail et tout ça. Donc, poubelle, tout ça c'est bon, c'est réglé. Hop, du coup le téléphone j'avais plus besoin. Alors. Où est-ce que j'en étais du coup? Je sais plus. Bah j'ai lancé la prod de ce truc là, donc ça c'est bon. Normalement on est bon. Pour les 500 trucs ça va être chaud à faire. Pour les plaques c'est pareil. Pour les cadres modulaires. Il m'en manque pas beaucoup. On va aller voir qu'est-ce qu'il me faudrait. Est-ce qu'il m'en manque vraiment pas beaucoup? Je peux en faire 60. Oh, bah c'est bon, normalement ça devrait être bon. Il m'en faut combien? 17, 18, 19, 20 et 5. Ça fait 8. Bah vas-y, j'en fais 8. Hein. 2, 4, 6 et 8. Impeccable. Donc on met les 8 là-dedans, bram, on lance la fusée, on s'en fout. Allez hop. Milestone reached. Long range transportation as well as the construction of outposts is now encouraged. Vehicle stations have built in functionality to refuel and restock or collect parts. Oh, je vais balancer ça dedans. Ah non, ça c'est des trucs que je garde, ça. Ouais, c'est les trucs que je sais pas ce que c'est. Y a pas des minerais qui servent à rien maintenant. Si, y a ça. Mais c'est pas ça qui va me rapporter beaucoup. Non, en fait, y a pas grand chose. J'ai déjà tout mis à la poubelle. Et hop, deux lingots en moins. Bam.
Il a même pas le temps de démarrer. C'est marrant. Le truc, il est descendu, il a même pas le temps de démarrer, que les machins sont déjà broyés. Ouais. Ouais. Ah, je suis bloqué. Bah là, je sais pas trop quoi faire. Parce que la fusée va pas revenir tout de suite. Bah pour ça là-bas il fallait des poutres en acier, donc ça les poutres je vais en avoir, mais il fallait des cadres modulaires aussi. Donc on va en fabriquer plein. Y a que ça à faire. Hein. Ah, ça siffle dans les oreilles, c'est horrible. Je peux en faire des machins là? Ouais, mais je sais pas, est-ce qu'il en faudra ou pas? Bah, sans doute que oui, hein, mais. Oh, on verra ça plus tard. Il faut des tubes, des trucs en béton armé, et ça c'est quoi? Des tôles de cuivre. J'en ai plein des tôles de cuivre. Voilà. Et béton armé, je pouvais en faire avant, mais est-ce que je peux toujours? Ouais, mais je peux en faire que 10. Il faut du béton et des poutres. Ah ouais. C'est logique en même temps quand il pense. Du coup, j'en ai combien de béton armé? 10. Il m'en faut 50, ok. Donc, je vais aller chercher des poutres et des tubes. Et un petit peu de béton, parce que je vais en avoir besoin. Hop. Alors, j'ai dit des tubes là-haut et des poutres aussi. Ouais. Hop là. Oh, c'était juste. Et hop là. On va pas tout prendre, hein. Ça fait beaucoup. On va en prendre déjà deux stacks. Il m'en restera que 100, c'est pas grave. Et ça, bah on prend tout. Et
Parce que ça, on va en faire. On va en avoir sûrement besoin plus tard. Hein. Hop là. Alors. Hop, des tubes, des poutres en béton. Et voilà, j'ai en terminé. Milestone reached. Fixit Incorporated has processed and incorporated frequent pioneer requests for pipe-based personal transport. Introducing Hypertubes. Safe, aesthetic, adaptable, fun. Enjoy a view of your hard work as you soar through incredibly tight turns. Build them today. Note: Fixit Incorporated is not responsible for any harm caused by irresponsible use of this product. M'énerve lui là. Oui, c'est l'autre côté. Ah oui. Moi, j'en sais rien de ce qu'il faut faire. Hein. Je comprends rien à ce jeu. Là, je me suis coincé en fait. Ah, il me donne que de la merde aussi, comment tu veux que j'y arrive moi? Ouais, mais c'est trop dur en fait. C'est 10 facile, facile, c'est chaud. Bon, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Ah, y'a que ça. Bah, c'est où qu'on voit les messages? Merde. Mais pourquoi y'a que le jeu là? Normalement, ils disent qu'il y a des messages et tout, mais y'a rien du tout. On peut même pas faire caca là-dedans. Non, sleeve. Join the dog shit. Call of sex, c'est que de les. Ouais. Ouais. Salut l'humour à la con. Mais bon, je sais même pas c'est quoi ce jeu-là. Drôle. Des couchettes, on peut dormir. Putain, y'a rien dans son truc. Hein. Vas-y, je vais essayer de faire une partie speed. Par contre, niveau 2, c'est de la merde aussi. Hein.
Alright. Non, je peux rien mettre là-dedans. Oh, il me faut celui-là, je l'ai pas. Il me faut l'autre, je l'ai pas. Il faut tous des trucs que j'ai pas. Bah, je peux rien faire avec ce que t'as là. Allez hop, dégage. Oh, j'aurais dû mettre celui-là. Bah, tant pis. Ouais, non. Mais c'est impossible leur truc. L'alarme elle sonne déjà. Tu te fous de ma gueule. Je viens à peine de commencer. Ouais, mais je viens à peine de commencer. C'est quoi ce délire? Bon, on va faire un facile. Allez, c'est parti. Ça, je pourrais mettre. Hop, ça dégage. Je réfléchis même pas, ça sert à rien. Bon, bah 850, 2 étoiles. J'ai pas réussi à faire mieux. Disent comment jouer. Oui, bah, je sais qu'il y a des blocs, mais c'est de la merde. Bon, bref, salut. Moi, je croyais que le but c'était de remplir toute la case, mais en fait, non, le but c'est de remplir le maximum possible de cases, mais c'est nul à chier en fait. C'est autant Tetris, c'est bien, mais autant celui-là, il est pas ouf. Bon, mais le temps que j'ai perdu à jouer à ça, bah, ça m'a récupéré pas mal de vis. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que du coup, je vais pouvoir continuer à fabriquer des trucs. Donc, 4 modulaires, j'en ai 52. Et je sais pas combien il faut. Alors, faut que j'aille regarder ce que ça consomme. Parce qu'il y en a 500 à faire quand même. Donc, voilà. Bon, il en reste encore 25 là-dedans. Ouais, ça c'est un cadre pour 12 poutres, d'accord. Donc 12 poutres x 500, ça fait bah 10, ça fait ouais, 10 x 500, ça fait 5000, et 2 x 500, 6000, un truc comme ça. 6000 poutres, ah, c'est énorme. Je les aurai pas demain. Hein. Et puis il y a ça aussi. Il faut des rotors. Il faut des rotors et il faut des cadres modulaires. Ok. On va commencer par les cadres modulaires. Parce que du coup, il m'en faut que 500. Et les autres, je sais pas. Alors, il me manque des tubes et il faut des plaques renforcées. Ah oui, d'accord. Des tubes, il y en a partout là-bas. Donc
C'est parti. Voilà, j'en ai fabriqué beaucoup, mais ça sera jamais assez, forcément. D'ailleurs, combien j'en ai en tout? J'en ai 150, 160. Ouais, sur 500, j'en suis loin. Hein. Ouais, j'ai des nouvelles places dans mon inventaire, ça c'est cool. Et tiens, juste par curiosité, si je prends le truc là, là. Et que je le mets là, ça marche? Nope. Scanner d'objets, il sert à rien en fait. Enfin bref. %, donc il a tout envoyé. Donc là-dedans, je vais tout mettre les trucs comme ça. Et dans l'autre, c'est des poutres. Alors, on va aller les mettre. Hop, hop là. Ici, les poutres. Dès qu'il a. Et voilà. Et du coup, faut qu'on change le mode opérateur. On va là-dedans. On va dans ça. Oui, c'est ça. Et c'est parti. Dire que c'est hyper chiant à fabriquer et c'est moche, c'est dingue. Bon, je prends toutes les vis, je me fais pas chier. Je prends tous les tubes, hop, au moins c'est réglé. Hop, on va finir ce qui reste. Donc j'ai plus de plaques renforcées, je peux recommencer, c'est parti. Oui les gars, vous avez déjà mangé du poivron cru? Alors ceux du commerce, j'ai déjà goûté, bah ils ont goût de flotte, mais ils sont amers, ils sont pas de terribles, ils ont un goût dégueulasse. Surtout les verts, ils sont dégueulasses. Là j'ai fait des poivrons du jardin moi-même, tu vois, je les ai fait pousser moi-même dans mon jardin. Ils sont oranges. Putain, c'est une tuerie, ils sont sucrés, on dirait des tomates quasiment. C'est trop bizarre. Mais c'est super bon quoi. Punaise, j'ai envie de le bouffer cru comme ça. Ça devient grave quand même. Pourtant j'en ai déjà mangé des poivrons crus pour goûter, tu vois. Bah c'était dégueulasse, je me suis dit jamais j'en mangerai, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi celui-là, il est super bon. Il a un goût sucré et tout. Ah, je me suis coupé une tranche. Je crois que je vais le bouffer. Bah vas-y, go. Hein.
J'ai une tuerie. Ah, puis il est croquant, il est super bon, regardez. Tuerie. Le meilleur poivron de ma vie. Un régal. Bon, par contre. Je dirais que à première bouchée et tout, c'est comment dire perturbant. Les papilles sont pas habituées en fait. Mais c'est trop bon. Oui, alors j'ai mis des poutres et des machins. Et tu m'as déjà tout bouffé, c'est ça? Oh putain, la vache. Ah oui, donc faut aller chercher des poutres alors. Bon, puis on va pas tarder. Enfin, je vais pas tarder à partir, donc je vais vous laisser là-dessus. Mais ouais, sur 1 h 30 de vidéo, je vais avoir que 20 minutes de vidéo, quoi. C'est un peu abusé avec tout le craft qu'il y a, c'est une horreur. Mais bon. Après, vous y êtes pour rien, hein, mais c'est ouais, c'est décevant. C'est du coup une bonne partie du jeu, c'est que du craft. En plus, ils ont fait une mise à jour sur le jeu il y a pas longtemps. Il y a toujours le truc qui bug en bas de mon épée là, qui prend douille dans le vide là. Alors, ils corrigent des bugs, mais ils corrigent même pas celui-là. Enfin, c'est un peu débile. La tronçonneuse, ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. Les fruits, ils bug pas. Y a que l'épée. Hein. L'épée, je sais pas. Elle est bizarre. Alors. Ah. Par contre, le poivron, c'est. J'ai un peu de mal à le digérer. Mais... Ah, ça y est, j'ai des hauts de cœur là. Insupportable ça. J'aurais pas dû manger en vidéo parce que. C'est. Pas passionnant du tout à entendre. Et malheureusement, c'est mon système digestif qui est un peu pourri. Et je fais avec, hein, j'ai pas le choix. Bon, lui, il va bientôt se mettre en route. Tac, c'est parti. J'ai pas assez de poutre, mais ça, c'est pas un problème. Bon, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Regardez les vidéos de deux chevaux si ça vous intéresse. Hein. C'est ce qui me prend le plus de temps en ce moment avec le boulot. Et c'est pour ça que je fais pas beaucoup de jeux vidéo. Mais je fais un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué à tenir la cadence que je faisais avant. Mais j'ai pas lâché l'affaire. La preuve, j'en fais encore là. Mais c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué. La deux chevaux est quand même ma priorité. Les vidéos, ça peut attendre. La deux chevaux, vu qu'elle est rouillée et tout ça, je suis obligé d'attaquer la rouille dès maintenant. Donc j'ai pas le choix. Mais quand on aura fini de peindre la deux chevaux, après, j'aurai large le temps de retrouver un rythme normal. Après, voilà, c'est pas déplaisant dans le sens où ce jeu, j'aimerais bien le finir.
Alors quand je dis le finir, vu que c'est un jeu de survie, c'est plutôt finir d'explorer toutes les capacités de construction qu'il peut y avoir. Et puis c'est tout, au final. Ça serait déjà pas mal. Et puis c'est tout, parce que ouais, ça m'intéresse pas de faire une usine en fait. Vraiment usine quoi. Même si je vais le faire en haut quand même, histoire de d'avoir un peu un côté satisfaisant, parce que c'est le nom du jeu, Satisfactory, hein. Ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que c'est satisfaisant. C'est pour ça qu'on joue au jeu, c'est pas vraiment parce qu'il est beau graphiquement ou parce que on adore crafter alors qu'on vient du travail. Non, non, non. C'est tout simplement parce que c'est satisfaisant de voir les machines travailler. Plus on développe comment dire, des arbres de compétences, et plus les machines sont développées et tout, c'est sympa. Hein. Là, par exemple, c'est un robot soudage, ça. C'est un robot avec une torche de soudure. Et bah ça, j'en ai au boulot, ça existe. Par contre, ça coûte une vraie fortune. Et il n'y a pas la poignée. C'est vraiment un robot-robot, quoi. C'est lui qui fait tout. Le seul souci, c'est que ça soude pas toutes les pièces, c'est une partie des pièces. En plus de ça, ça vaut une fortune. Et la torche, le fil, il est à peu près par là, tu vois. Mais le bras est pas du tout pareil. Enfin, je pense pas que ça peut être possible d'être comme ça. Parce que le fil, il serait trop plié, en fait. Enfin, je sais pas. Là, on le voit pas, il est pas apparent, hein, c'est pas évident. Mais un fil de soudure, on peut pas le plier comme bon nous semble. C'est un peu comme le PVR pour ceux qui font la plomberie, par exemple. C'est un peu la même chose. Sauf que la différence entre les deux, c'est que bah, si tu les plies, oui, d'accord, ils font tous les deux un pli. Sauf que l'eau, bah, quand c'est pour les tuyaux, bah, l'eau, elle sort, elle fuit, hein, ça fuit. Par contre, quand c'est pour le MIG, quand c'est plié, c'est juste que soit ça soude pas, soit ça. Enfin bref, ça fait de la merde quoi. Du coup, je voulais vous dire aussi par rapport à mon projet de la 2 chevaux, tout ça, que c'est un truc qui me tient vachement à cœur, parce que bah, c'est un coup de cœur que j'ai eu et que je voulais faire vraiment une restauration complète. Alors oui, beaucoup qui vont tomber sur la vidéo vont dire ouais, mais voilà. Tu connais rien, oui, bah c'est le but. En fait, oui, d'accord, je fais une restauration complète, mais en même temps, oui, j'y connais rien parce que justement, j'essaye d'acquérir des compétences et faire du mieux que je peux, du mieux que je sais faire ce genre de choses. Mais après, si on me dit dans les commentaires, bah, pour t'as 2 chevaux au final, ce que t'as fait, c'est pas ouf, faudrait que tu fasses comme ça. Là, c'est des conseils, j'accepte. Par contre, si c'est pour dire critiquer alors que les mecs sont pas capables de le faire eux-mêmes mieux, là, j'accepterai pas. Mais après, voilà, tout est bon à prendre. Moi, je suis pas du genre à faire des différences entre chaque personne. Bref, sur ce, j'ai assez parlé, je vais y aller manger d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Profitroll sur la chaîne The Dragon Priest. Bye.